Sur le marché de Brest, GDK expose ses images de Jyotaku. En japonais, Jyo, empreinte, Taku, poisson. La beauté du monde en forme de poisson, immortalisée sur du papier de riz ou de soie. C'est une technique japonaise. Eux font ça sur du papier de riz. C'est le papier de riz et en couleur. Moi, j'ai détourné cette technique pour la faire à la mode bretonne ou au Guenadu. Oui, c'est ça, à Saint-Suaire, quoi. Le Saint-Suaire, je me garderais bien. C'est le Val de Véronique, par contre. Oui. 4 heures du matin, Camaret-sur-Mer. GDK est là, comme presque toutes les nuits. Il est là pour pêcher, il est là pour peindre, il peint pour ne pas oublier. Comme les pêcheurs japonais qui, depuis plus de 1000 ans, pratiquaient cet art afin de garder un souvenir de leur pêche. Et nous sommes poissons et ils sont nous. Hein? C'est, on oublie tout ça. Bon, c'est un poisson. Bon, bah après tout. Hein? Bah moi, je pense pas. C'est pas qu'un poisson. Un jour, peut-être que je nourrirai les poissons. Inch'Allah. Là, c'est vraiment une mémoire arrêtée. On pourrait dire que la photo aussi, parce que l'image est arrêtée, elle est fixe. Mais on ne peut pas la toucher. Là, c'est quand même... je dirais presque qu'on peut aller derrière. GDK peint ses poissons pour effacer l'oubli, pour la mémoire du monde. Et puis il les cuisine, car il pêche aussi pour manger. Il ne nous dira jamais son vrai nom. C'est GDK et c'est comme ça. C'est le secret du poète. Je suis un pauvre. Je suis sincère quand je dis ça. Je fais pas du semblant, là. Je suis heureux d'être un pauvre, hein, vraiment. Hein. Ceux qui courent après l'argent, je les fuis. Ah, Pépette! Mais oui, Pépette, t'es là! Mais oui, mignonne! Oui! Je pense être un imaginateur. Mais pas un créateur. Tout est créé, on imagine, on découvre, on invente. Mais c'est déjà beau. Un imaginateur, il fait partager les images qu'il a à l'intérieur, il les concrétise avec des objets. C'était l'histoire de GDK, celle de l'héritier en Finistère, de l'art séculaire du Jyotaku.